Niveau 8. Alors il va falloir sortir de cette tente par cette ouverture, mais pour cela, hein, on voit une meule, donc on se doute qu'il va falloir aiguiser un couteau pour sortir. Bon. Première des choses, on va déjà aller jeter un petit coup d'œil ici. Un indice, un seau d'eau. De ce côté-là, une meule, une gourde, tiens, on la prend, ce sera fait. Un autre indice ici, par ici, un troisième indice et notre chaudron sous le feu. Alors, on va commencer à côté de ce tapis pour voir cet indice où l'on remarque que le coin rose sera par rapport à ici en haut à gauche. Coin rose en haut à gauche. Pourquoi je dis coin rose? Parce que quand on regarde la pièce qui est là, on a du jaune et du rose. Du jaune, et vous allez voir, ça va évoluer, du jaune et du rose. Donc c'est cette pièce qui correspond, et on voit que la partie rose est forcément en haut à gauche. Donc vous allez orienter toutes les parties roses, là, de chaque carré, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés, en haut à gauche. C'est-à-dire que ici je vais remonter d'un, voilà, ici deux fois, vous voyez, je les mets en haut à gauche. Là, il est bon, en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à gauche, je n'ai plus que celui-ci, là, à appuyer une fois dessus, et voyez ce qui se passe. Ça dézoome, mais on voit que ça a changé de couleur. Maintenant, c'est du bleu et du rose. Alors, bleu et rose, je crois que c'est par ici. Eh bien non. C'est là, bleu et rose. Je vois que le bleu est en haut à droite, sur les carrés. Donc, je vais placer mon petit coin bleu en haut à droite de chaque carré. Voilà pour ici. Voilà. Voilà, vous voyez ma première ligne, le petit coin bleu est en haut à droite, donc je vais faire partout. Pareil pour les 9. Et le dernier. Et vous voyez ce qui se passe. Je dézoome et là, je passe dans d'autres couleurs. Jaune et vert. Et le jaune et vert, là, par contre, il est bien là. En bas à gauche, le jaune est en bas à gauche. Donc on a tous les jaunes en bas à gauche. Encore une fois, pour celui-ci, attention. Et là, c'est bon, j'ai un couteau. Ça tombe bien, hein. J'avais une meule. J'ai un couteau. Je le prends. Maintenant, je vais aller remplir ma gourde dans ce bidon. Voilà. Et je vais m'approcher du feu. Et je vais remplir cette marmite. L'obou, ça pourrait faire un petit peu de faire fondre un peu cette matière, mais j'aperçois un objet là. Je vais le prendre et je m'aperçois que c'est la manivelle de ma meule. Donc je la mets en place. Maintenant je suis prêt à meuler mon couteau. Vous avez un petit bruit, il est aiguisé. Eh bien, comme il est aiguisé, je me dirige vers cette fente. Hein, vous voyez, elle est tenue, elle est mal coupée. Je prends mon couteau, je l'ouvre. Voilà, je n'ai plus qu'à sortir pour passer au niveau 9.